que la rentrée est consacrée à la présentation des films du travail de Stéphane Kovacic. Peut-être faudra-t-il ensuite revoir avec les gens qui travaillent sur Narbonne et dans les environs. Peut-être faudra-t-il étoffer une telle manifestation. Peut-être faudra-t-il prendre un rendez-vous régulier. Non, mais c'est vrai, enfin, pourquoi pas. Mais là, on sent par exemple aussi qu'il y a un besoin auquel nous sommes nous seuls capables de répondre, parce qu'un cinéma commercial ne peut pas se lancer dans ce type d'opération. Enfin, il y a tout un tas de choses, et puis il faut des lieux pour présenter. Ce sera, cette présentation. Alors là, c'est à la rentrée. Oui. Hein, c'est ça, si vous voulez, ça va être la deuxième partie de la conférence de presse maintenant. La rentrée, donc, est consacrée, non pas aux gens qui font du cinéma à Narbonne, mais à quelqu'un qui est là. Pour sa rentrée cinématographique, le Ciné-Club de la Maison des Jeunes de Narbonne me fait l'honneur de présenter, le 12 septembre, mon triptyque autour de la chasse à l'arc que j'ai intitulé « Archétype ». Il s'agit de deux documentaires et d'un long-métrage, « Le prédateur aux pointes de métal »,« Capreolus », le long-métrage, et le second documentaire « Pocachurite ». À travers ces films, le public pourra découvrir une technique discrète et peu connue de la chasse à l'arc. J'ai été fasciné par cette quête du sauvage qui pousse certains hommes à rester des heures durant, immobiles dans la nature, afin d'approcher l'animal jusqu'à le toucher. En parlant de la chasse à l'arc, j'ai voulu rendre hommage aux grands prédateurs qui habitaient jadis nos forêts, le loup, le lynx et l'ours. C'est pourquoi j'ai filmé ces chasseurs comme les grands prédateurs en chasse, m'obligeant à situer ma caméra loin de l'action, à la manière d'un film animalier. Et paradoxalement, en étant loin des sujets filmés, je me suis rendu compte que j'étais au cœur de l'action qui se déroulait devant mon objectif. Grâce à ce dispositif filmique, j'ai le sentiment, ou du moins je l'espère, d'avoir réussi à capter ce lien invisible qui relie le chasseur à sa proie. Ces films ne sont en aucun cas un parti pris pour ou contre la chasse. Les documentaires dressent le portrait de deux archers et leur approche particulière de la chasse. Bien que lucides sur la finalité de leur quête, ils ne peuvent maîtriser le sentiment de tristesse qui les envahit au moment de la mort provoquée. C'est ce sentiment paradoxal qui m'a interpellé et m'a poussé à faire ces films. Et c'est le documentaire « Le prédateur aux pointes de métal » qui m'a inspiré l'écriture de mon premier long-métrage de fiction, « Capreolus ». « Capreolus » s'inspire de séquences filmées 2 ans auparavant lors du tournage du documentaire. La fiction rejoue la réalité. Patrick Guillaume, le chasseur à l'arc du documentaire, y joue son propre rôle, mais cette fois, le chasseur est dérangé dans sa chasse par une jeune chanteuse qui se produit dans un bar de la région. Le chasseur devient à son tour la proie d'une quête amoureuse qui révèle la part d'animalité qui existe dans chacun des protagonistes. Entre rêve et réalité, Capreolus met en image les pensées de ses personnages. Capreolus est un film à petit budget qui a été produit sans le concours de la commission régionale du film. Ma société de production y a engagé ses fonds propres. J'ai également reçu le soutien et l'aide de la municipalité de Courgnou-les-Grottes et l'équipe artistique et technique du film a été constituée en puisant dans le vivier des talents du Narbonnais. Toutefois, la production du film reste à ce jour déficitaire. Pocachurite, mon dernier documentaire coproduit par la chaîne Seasons du groupe de télévision Canal Satellite, n'a obtenu ni le soutien du Centre national de la cinématographie et ni celui de la commission régionale du film. Aujourd'hui, produire en Languedoc-Roussillon est pour bon nombre de réalisateurs locaux, dont je fais partie, un véritable parcours du combattant. C'est notamment pour ces raisons que le Ciné-Club de la Maison des Jeunes et de la Culture de Narbonne organise après les projections un débat sur le thème « Faire du cinéma à Narbonne » en présence des réalisateurs locaux. Si quelques idées, voire des solutions, émergeaient de ces échanges, je me plais à imaginer Jean Eustache, satisfait que le combat continue, lui qui à son époque déclarait « entrer en résistance face aux difficultés à produire un film ».